Hip hop, les diamants énormes sur les lobes. Hip hop. Vincile, musicien, compositeur, beatmaker des groupes Hocus Pocus, C2C et plus récemment Alta. Elle est à mi-chemin entre un délire organique et digital. Je viens du hip-hop, plutôt boom-bap, donc j'ai commencé avec des machines type MPC, etc., en samplant des vinyles, donc j'aime bien le son chaud. Mais en même temps, aujourd'hui, je me tourne vers des sonorités plus digitales, plus synthétiques, analogiques. Donc voilà, c'est un peu à mi-chemin entre l'organique et le digital. Mon lien avec Nantes Université, bah déjà c'est mes études. J'ai fait les Beaux-Arts de Nantes pendant 6 ans ici. Et aujourd'hui, mon lien, il est par la création d'une charte musicale, d'une charte sonore et d'un morceau sur lequel je me suis bien éclaté à essayer de trouver une direction artistique, à essayer de trouver une esthétique et un message aussi qui corresponde à l'esprit de l'université. Ce qui me parle et ce que ça représente pour moi, c'est cette notion de transmission, d'apprentissage et de préparation un peu des générations futures avec la mise à disposition de locaux, de moyens et de techniques pour de la recherche et pour de la construction. Moi, je me suis bien retrouvé là-dedans et c'est le message que j'ai voulu intégrer au morceau et à la charte sonore. C'est cette notion de ensemble, créons quelque chose de positif pour demain, quoi. La charte sonore, elle s'est faite en 3 temps, on va dire. Il y a eu d'abord la création d'une virgule sonore sur le logo où j'ai suivi image par image l'animation du logo pour coller à une virgule sonore, donc avec un synthé, des machines, etc. Ensuite, il y a eu la création d'un morceau dans lequel j'ai essayé d'intégrer la philosophie de l'université avec des thématiques fortes ensemble, la notion de futur, la notion de recherche, de création, en essayant d'aller rechercher dans mes sons et dans les textures que j'ai l'habitude de travailler, j'ai créé ce morceau à mi-chemin entre musique électronique et musique urbaine, avec les voix aussi de Degree et Ava, qui sont deux artistes nantais qui ont chanté le refrain. À partir de ce morceau, j'ai fait tout un tas de déclinaisons d'ambiances sonores qui vont pouvoir être utilisées dans les différents supports vidéo et pour les réseaux sociaux, etc. En ce moment, je travaille sur le projet Parage Partage avec le Secours Populaire des Pays de la Loire. On a sorti un vinyle collector limité à 500 exemplaires au profit du Secours Pop. On sort aussi un nouvel album avec le projet Alta qui s'appelle Curio, avec une tournée, voilà mon projet avec Mr. Jem et Deros.